Salut, salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode des Zinzins de l'espace. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Allez, on rentre pile dans le bain, passons par les chiottes. Et on va essayer de sauver nos petits camarades. La fin est proche, le but est proche et nous allons bientôt nous enfuir de cette base maudite de Saccharine. Allez hop, Bud fait l'acrobat chinois. Tananana. Et on va aller à droite. Allez. Tout 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 tout. Tout 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 tout. Au moins il manque pas de papier toilette. Comme au début de notre aventure. Il y a un passage dans l'évacuation. Dans l'aération plutôt. Et où nous nous retrouvons dans un labyrinthe. Punaise, qu'est-ce qu'il est grand ce labyrinthe. Ça va être chaud, chaud, chaud. Ça va être chaud the night. Et en plus, je sais même pas où faut aller quoi. Bon. Bon, let's go. On est descendu. Maintenant. Faut trouver la sortie. Alors, on voit des drapeaux, mais est-ce que les drapeaux nous indiquent la sortie? Ça, question qu'on peut se poser. Bon, on va essayer de faire un plan. On va tout le temps partir à gauche. On va faire cette technique, tout le temps à gauche. Donc si on peut pas partir à gauche, et bah on part à droite. Allez, monte. Et moi je vote pour monter en haut. En même temps on peut pas monter en bas. La sortie est proche, la sortie est proche ou pas? Ah là là, ça m'énerve. Est-ce que c'est une sortie ou c'est un cul-de-sac? Non, je crois que c'est vraiment un cul-de-sac là. Il n'y a point de sortie, les amis. Putain, et en plus les clics qui sont mal foutus, ça m'énerve ça aussi. Je suis bien en train de cliquer là, ça doit s'entendre en plus et. Non, c'est pète-couille. Putain, ils sont cons les développeurs ou quoi, de nous mettre des labyrinthes. Truc casse-couille. Puis je sais même pas par où faut passer là, ça m'énerve. Bon. Je crois pas qu'on est passé par ici, donc... Il pourrait pas donner des indications là. On arrive comme ça, bim, on est paumé là. En plus, il avance pas cet enfoiré. Et si on se retrouve au point de départ, je pète un câble. Ah, peut-être une sortie. Peut-être une sortie. Ah bah non. C'était un faux espoir. Peut-être une sortie, peut-être une... Oui! On a trouvé la sortie! Enfin, j'espère. Hé, hey, oh, toi, t'es perdu, là, qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je te porte? Tu vas où? Hein? Dis-moi, là, tu vas où? Ah oh, ouais, c'est sympa, c'est cool! C'est bon, monte! C'est bon, accroche-toi et assure-toi que ta ceinture de sécurité est bien bouclée pour la barrière du son. T'es prêt? Bon, ok, compte à rebours. 3, 2, 1...
L'escargot, il n'y a pas plus vite. Il arrivait en trombe et là. Bon bah. On a le temps de boire un café. Vous me rappelez quand c'est bon? Parce que franchement là, c'était un peu chiant. On voit que c'est un golfeur de ouf, hein, parce que le nombre de balles qu'il y a. Pourtant là, c'est une fusée quand il faut partir. Mais en attendant, après ceci, on va sauvegarder. Donc j'ai sauvegardé, hein, parce qu'après ce périple dans le labyrinthe, j'avais pas envie de tout recommencer, donc vaut mieux sauvegarder. Allez, Alien vert. énorme. Ah, qu'y a-t-il là-bas? Qu'est-ce que c'est que Tu l'as dit, le temps il est trop long et on reçoit plein de saloperies dans les yeux, ça t'arrache les yeux. Oh, puis y a pas de télé. Non, pas de télé. On en réclame depuis des mois. Apparemment, c'est trop bien pour des gens comme nous. En fait, moi j'en ai plein le dos. Oh, dis donc, vous avez un super équipement. Et vos chaussures. Ce sont des Italiens, non? Hein? Ah ouais? Oh, quelle marque? Mes chaussures? Ah bah parlons-en de mes chaussures, mon bon monsieur. 50 kilos pièce. C'est pas facile, hein, croyez-moi. Vous aimeriez un petit massage? Eh, dis donc, ma couille! Et un pied dans ton cul, ça te plairait, mon mignon? Je disais juste que vos pieds doivent vous faire mal. Et qu'un petit massage vous ferait du bien. Bon, ben, d'accord, hein, ça me fera du bien au corps, aux pieds. Comment couiller un robot? Et ben voilà. Ça, c'est fait. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas vous faire du mal. Oh, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas vous faire du mal. Maintenant, c'est un peu trop tard. On peut passer. Donc, on va jarter le robot et on va s'envoler vers d'autres cieux. La Team Rocket s'envole vers d'autres cieux.